trouve les briques plus puissants que les royalistes quand même. Après, ils font énormément de dégâts, ça j'en conviens, ces robots. Mais le simple fait qu'ils soient volatiles, moi ça me pose un problème quoi. C'est-à-dire que quand ils explosent, ils font des dégâts de zone autour d'eux. Voilà. Alors quand même, les briques seraient facilement à faire à ce groupe-là. Rien que par le fait qu'ils aient une meilleure portée. Après, c'est peut-être pour ça que j'ai une préférence au Boltus. Bon, après, c'est sûr que le Loyaliste, l'avantage, c'est qu'il a. Il peut dévier les missiles tactiques. Ce qui n'est pas donné à toutes les unités quand même. Voilà, j'ai pas tout. Assez de masse. Ouais, j'ai beaucoup de masse. Là, il me faut des bricks. Et après ça devrait être... Voilà, voilà. Donc, les briques vont me servir à attaquer directement la base là. Du fait qu'ils sont amphibies, je vais pouvoir les installer dans l'eau si jamais ils sont aggro par des unités aériennes. C'est un avantage aussi qu'ils ont par rapport aux royalistes. Regardez, ils ont une portée bien plus grande. Enfin bon, il doit bien avoir une raison pourquoi il Alice est aussi faible. Hein. Parce que rien que le fait qu'il soit volatile, je trouve que c'est une énorme faiblesse quoi. Par rapport à des robots de ces autres factions, ça donne tellement un malus à la faction ça. Bon, au moins j'ai les ressources maintenant, donc ça je peux raser. Voilà, 5 minutes 35, quand ça m'a pris 4 minutes 30. Après, ça consomme beaucoup moins de ressources, et ça l'avantage des unités aériennes par rapport aux usines terrestres, c'est que pour le monter en tech ça prend plus de temps, mais consomme moins de ressources. Donc là, j'ai envoyé ça. Juste regarder un truc, le radar. Il est impératif de détruire ces générateurs. Oui, oui, c'est ce que j'allais faire. Là, j'ai de la chance, c'est mon allié qui a pris tout l'aggro des unités aériennes, donc je passe tranquillement, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Bon, par contre, c'est vrai que par rapport à un Goyalis, ses dégâts sont bien moindres au tir. Les boucliers de la base de Selene faiblissent. Profitez-en pour l'attaquer. Talia, terminé. Vous paierez cher pour avoir détruit ces installations. Non, le Brez est tout seul capable de me tuer mon commandant. Faut se méfier du Brez, ça a quand même une bonne puissance de feu, ça peut facilement vous retourner quand même une armée. Ah oh bah c'est bon si ça. Voilà. Hop. Bon,
Voilà. Donc lui, il va tout se construire tout seul, hein, comme un grand. Ça lui prendra une éternité à tout construire, moi je vais le laisser construire. D'ailleurs, il va me construire ça en parallèle. Normalement, là, vous faites des ingénieurs de tech 3 pour mettre les extracteurs de tech 3 et les ingénieurs de tech 2 que vous avez construits. Vous leur demandez de mettre les stockages de masse. Voilà, là, ça commence à devenir bon. Je commence à mettre mes boucliers. Que je me trompe, ça devrait passer près du coup. Et là, il me faut des trébuchets. Donc, il me faut de l'artillerie. Alors, je vais quand même récupérer comme ces tracteurs-là. Alors, ce qui est aussi dérangeant, moi je trouve, avec les cibrons, c'est leur bouclier qui s'améliore. C'est génial, mais c'est les boucliers les plus fragiles du jeu. Alors, ils mettent monter de 3 techs les boucliers. C'est pas que c'est parfois un peu chiant, mais c'est tout comme. Les autres factions, vous construisez le bouclier, c'est bon, il est opérationnel. Avec cette faction-là, une fois construit, votre bouclier n'est pas forcément opérationnel. J'ai besoin d'une usine terrestre normalement, non. Par contre, j'ai une navale, oui. Voilà. Donc maintenant, artillerie, vous la ramenez ici. Et là, ce qui est génial, c'est que maintenant, vu que j'ai réussi à bien faire mon coup, c'est que j'ai plus besoin de cette. De toutes ces unités là et de ces bases là. Donc, quand on va revenir ici, il va me faire. Il va me compléter tout mon système de défense anti-aérien. Hop, là où ce sera bon. Ici, il va me compléter. On va rajouter 2 boucliers. Bon, je garde plus un bouclier là-haut. Voilà. Donc ça, on peut le faire monter les unes aériennes. On a encore une. J'ai perdu où? Ouais, c'est pas la première fois que j'en construis. C'est la deuxième fois en fait que je fais cette vidéo. J'en ai construit 4 le dernier coup. J'en ai un qui a aussi été perdu. Soit l'usine n'a peut-être pas fini de produire, ce qui est une possibilité, là je l'écarte pas. Parce que là c'est totalement ma faute. Hein. Et lui va maintenant me servir à faire ça. Bon, l'avantage de l'artillerie, c'est qu'au moins vos troupes au sol n'ont quasiment plus besoin de bosser. Comme vos troupes anti-aériennes. Qui d'ailleurs même sont devenues super floues. On me fout vite ça, après. Un fort, encore un peu de masse. Hein.
après, il va me reconstruire encore un groupe de 4 là. Voilà. Donc maintenant, ça, on va être très vite fixé si je les ai bien positionnés. En moment, oui. Après, je pense qu'à porter des boucliers, à force de jouer si bon, les gens ils ont l'habitude en fait. Je suis bien vitesse x10. Donc ici. Les 6 groupes de génie, on va les faire. Gao, il me faudrait un groupe de cuirassés. Plus après, évidemment, tout ce qui va avec. Et les cuirassés, ils ont quoi? Anti-rien, radar, sonar, défense. Ah, ils ont des torpilles, les cuirassés, si bon. Pas mal ça. C'est un bon point quand même, ça, les cuirassés, si bon, sont équipés de tubes en torpilles. Ça évite par exemple les petits raids de plein de torpilleurs qui. Enfin. C'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'un destroyer, je pense, mais ça évite surtout. On envoie des sous-marins derrière. On essaye de raser ça rapidement, ni vu ni connu. Enfin. Après, il y retourne là, il construit un portail quantique. Et une fois que ce soit défoncé là. Donc, par contre, il me faudra rapidement la zone supplémentaire parce que là, mes navires vont un peu manquer de place pour circuler. Moi, j'aurai déjà un cuirassé, ce qui est en soi très agréable. Et en énergie. Enfin, masse énergie. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà pas trop mal. On va avancer un peu artillerie. Voilà. Un bon bombardement sur la zone. En fait, je me demande si l'artillerie de Tech 2 est pas inférieure au trébuchet en dégâts. Donc là, il me manque deux choses. Il me manque laser à micro-ondes, ça serait utile. Hop. Il me manque le téléporteur personnel. Les Gemini, je les sais. Donc eux, ils peuvent atterrir. Voilà, donc ici, il me faut maintenant mes commandeurs de soutien. Alors là, il me faut rapidement fabricateur à rapide. Bon, par contre, les Ion sont les seuls commandeurs à avoir un téléporteur personnel, leur commandeur de soutien. Je sais, c'est fumé. Et les téléporteurs, c'est vraiment fumé. Notamment ce missile Nani. Ce qui fait d'ailleurs que pour moi, je trouve les commandeurs de soutien Ion les plus fumés du jeu. Parce que généralement, vous. En fait, votre commandeur. L'avantage du téléporteur, c'est qu'il peut aller un peu partout, mais généralement, quand vous téléportez, c'est pour rapidement construire une base avancée et après vous replier. Commandeur de soutien, c'est simple, vous envoyez ça là-bas et il va continuer à faire son boulot tout seul, comme un grand. Voilà, donc eux, ils vont commencer à me bombarder là. Allez, on y va. Youhou!
Bien, mais c'est de la triche, mon artillerie. Et non, comme c'est artillerie de tech 3 est pas plus puissante qu'artillerie de défense de tech 2. Bien joué, commandeur. Ah, j'ai oublié de réduire la vitesse. L'approche de la prison va être un cauchemar tactique. Vous allez d'abord devoir vous frayer un chemin dans ce col. Considérons que l'ennemi contrôle toute la zone, alors attendez-vous à une résistance acharnée. À partir d'ici, les choses vont sûrement empirer. Considérons que l'ennemi est retranché de l'autre côté du col. Cette prison renferme les trois loyalistes. Si l'IAQ fouille leur mémoire, nous sommes dans de sales draps. Emparez-vous de la prison et évacuez les loyalistes. J'ai envie de tenter un truc trop d'un truc trop gun. Ça me démange de tenter. On va construire ma flotte. Nous vous transmettons les plans de la Luciole. Une bombe mobile qu'il vous suffit d'envoyer au point voulu et de faire sauter. C'est une bombe tech 2. Dostia, terminé. Votre alliance ne peut pas rivaliser avec la toute-puissance des Séraphim. Je vais tenter un truc qui peut être très marrant. Qui va être ultra marrant. Dostia m'a parlé de son mouchard. Oh oui. Futé, la petite. Très futé. Suivez ses instructions. Oui, je vais les envoyer. Oui. C'est sûr qu'avec des cuirassés pour protéger, j'ai pas trop de risques à avoir de ce côté-là. Bon, par contre il me faut mon escadre avant de continuer, quoique je pourrais le construire en même temps que je fais mon coup. Vous êtes prêts? Je préviens, c'est un truc expérimental hein, ce que je vais faire. Ça peut être le gros fiasco. Hein. D'habitude il faut toujours raser cette base là, mais j'ai envie de tenter quelque chose pour une fois. Vous avez sauvé juste à temps, commandeur. Ouais, c'est bon, gars, c'est des points de vie. Il y a entamé les derniers préparatifs pour l'implantation des neuropuces. Encore merci. Mathéa, terminé. Regarde. Il est dommage que je n'ai pas pu extraire les informations désirées du cerveau de mes invités. Il y aura d'autres occasions. Les traîtres loyalistes ne quitteront jamais cette planète vivant. Bon, ils ont quoi, double tube en storpie ou quoi de double? Double tube. Ah non, quadruple tube, j'ai l'impression. Quadruple tube, ok. Ce qui est quand même pas mal. Quadruple tube en storpie, c'est quand même pas mal, hein. Point cuirassé. Toujours le point de touche. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, ils se demandent qu'est-ce que je viens de faire. Et là, bon, bah, il va aider à construire. Illuminé, écoutez ma parole. Je suis la princesse Rhian Burke, souveraine légitime des Aeon. Les Séraphim ne sont pas les sauveurs qu'ils prétendent être. Ils n'apportent que mort et destruction. Princesse? L'ordre vous a trahi. L'évaluateur Kael ne recherche que le pouvoir personnel
et elle n'hésitera pas à sacrifier ceux qui se trouvent sur son chemin. Le moment est venu de rejeter ses enseignements et de vous soulever contre ceux qui cherchent à détruire l'humanité. Soulevez-vous et combattez pour votre princesse. La princesse est en vie ? On va voir le bordel que ça va donner. J'ai du mal à y croire. On vous avait dit qu'elle était en vie, Selene. Et malgré tout, vous l'avez quand même trahie. Vous avez pris votre décision et vous devez en assumer les conséquences. J'avais tort. Pardonnez-moi, princesse. Je peux arranger les choses. Vous n'avez aucune chance de vaincre les Séraphins. Normalement, il faut raser d'abord. Il faut d'abord raser Abbasibran pour que ça soit plus efficace, mais là, j'ai pas voulu. Non, à eux de se raser mutuellement. Ah non, mais c'est sympa comme ça. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Nous avons repéré plusieurs lancements de missiles stratégiques. On dirait que les deux amoureux se disputent à coups d'armes nucléaires. Terminé. Putain, le bol qu'ils ont. Vu le temps qu'il faut pour construire une arme nucléaire. L'IAQ possède une UBC Cybran dans sa base. Je ne sais pas si elle est pilotée ou si c'est l'IAQ qui la contrôle. Quoi qu'il en soit, vous devez la détruire. QG, terminé. La trahison de Selene n'avait pas été prise en compte dans les possibilités. Peu importe, la situation a été réévaluée et ma victoire reste l'issue la plus probable. J'ai eu tort de m'allier à toi, monstre. Ta destruction lavera mes fautes. Allez, let's go. Quand vous aurez détruit l'UBC de l'IAQ, les forces loyalistes arriveront pour sécuriser le commandeur Séraphim. Ah oui, et je pourrai ensuite déchiffrer sa matrice de communication. La base de l'IAQ se trouve au nord-ouest et Selene a détruit la plupart de ses lance-missiles stratégiques. Rendez donc une petite visite à cette foutue machine. QG terminé. Mon ordi a un peu de mal, excusez-moi, je pourrais pas zoomer sur l'attaque des démontreurs d'âme avec les Gemini. Par contre, je me suis endommagé moi-même des appareils. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai protégé les. Oh, c'est des cuirassiers. Le mouchard est prêt à être déployé. Envoyez un ingénieur vers la position indiquée dans la base de l'IAQ pour qu'il effectue le transfert du mouchard. Dostia, terminé. Et je vous présente la défense de Tech 3 sous-marine qu'on débloquera à la mission suivante. Des cibrans. Le ARMS. Disons que souci, c'est que ce moyen d'abattre, c'est d'avoir des unités sous-marines. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que Brackman sera responsable de la destruction de l'humanité ? Oh, il t'a créé, c'est vrai. Après, excuse-vous. Ah ouais. On va envoyer mes appareils faire un nettoyage. Et là maintenant, l'ingénieur a atteint sa destination et le programme a été installé. L'UBC de l'IAQ a été défini comme cible à détruire. Dostia, terminé. Contre laser à micro-ondes. Bon, je vais quand même me dégager de là, j'ai quand même évité de forcer. Voilà.
Maintenant on peut tuer Yaku, je pense. À moins que mes troupes préfèrent dégommer Grèce. Par contre c'était intéressant de voir ça. De laisser les deux bases et de les voir s'entretuer. D'habitude j'ai toujours à base de Cibran pour laisser plus de matériel aux Aeon, mais bon ça marche aussi comme ça. Si vous détruisez cette UBC, une autre prendra sa place. Je suis immortel. Ce n'est qu'une enveloppe. Les loyalistes sont en route, commandeur. Encore quelques minutes et le commandeur Séraphim sera entre nous. Oh oui. Je détecte une signature quantique. Le Séraphim arrive. Le Séraphim est à nous. Excellent travail. Excellent. Bientôt, nous connaîtrons tous ses secrets. Commandeur, je voulais vous remercier en personne pour avoir aidé mes chers loyalistes. Ils représentent notre première ligne de défense contre l'obscurantisme de l'Ordre de l'Illumination. Leur perte aurait été une tragédie. L'avenir est sombre, mais il faut garder espoir. Notre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Donc voilà, c'est ainsi que nous terminons cette deuxième mission avec les Cibran. Plutôt mouvementant en début de partie, je dois dire, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai tué 7 unités expérimentales. Bon, ben non, tout ce qui est gâché, c'est sûr que voilà, hein, j'aurais pu avoir une production optimale, c'est de gâcher 0. Mais bon, ça, on s'en fiche. Merde. Ouais, j'ai quasiment tué que des unités terrestres, maritimes et quasiment aucune. Aérienne, bon, moyennement. Ennemis détruits, valeur en masse, valeur en... Ça par contre c'est des stats qui peuvent être intéressants pour ceux que ça intéresse. C'est de voir en fait le coût que vous avez détruit des unités ennemies. Par exemple vous pouvez avoir tué 2260 unités mais que leur coût soit très faible. Et inversement vous pouvez avoir tué 1000 unités que leur coût en masse soit beaucoup, largement supérieur. C'est comme ça qu'on fait des comparaisons en fait entre les personnes. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien. Et à ciao tout le monde, on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie.